Bonjour mes petits loups. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Et oui, encore. Ce mois-ci j'ai vraiment fait des folies. Ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas acheté de toile. Et comme en plus j'ai bientôt terminé d'acheter ce que j'avais besoin pour mes trois derniers swaps, bah du coup voilà, je commence à me faire un petit peu plaisir et à me commander des toiles qui me font envie chez des vendeurs qui me font envie. Donc celle-ci, je l'ai reçue aujourd'hui et je vous avoue que c'est un vendeur où j'ai vu pas mal de bons retours et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer. Donc bah là, je me suis lancée, donc j'ai essayé. Donc, si pas d'erreur de ma part, mais je ne pense pas parce que mes toiles commandées précédemment, hors celle à laquelle je pense, ne sont pas encore arrivé. Donc j'ai commandé des toiles dans la boutique Oraloa. Celle-ci, les deux toiles que j'ai commandées, je les ai commandées le 1er et le 2 juillet. Donc voilà, elles sont loin d'arriver vu que ils annoncent entre 5 et 8 semaines pour les recevoir. Donc je sais que déjà c'est pas celle-ci. Ensuite, j'en attends une encore commandée sur AliExpress. Et pareil, elle a été expédiée, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc, du coup, je sais que celle-ci, sauf erreur de ma part, ce devrait être ma toile commandée dans la boutique Evermoment. Donc, en plus, quand on voit le packaging, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Quand on voit le packaging, on sent qu'à l'intérieur, c'est une boîte en dur ronde. Et de ce que j'ai vu, chez Evermoment, c'est bien ce style d'emballage. Alors, donc vous voyez, je n'ai même pas ouverte. Hein. Ça fait au moins, si je vous dis pas de bêtises, ça doit faire au moins... moi, bien 6 heures qu'elle est arrivée à la maison et je n'ai pas craqué. J'ai attendu d'avoir 5 minutes pour pouvoir faire l'ouverture avec vous. Donc, je suis quand même patiente. Hein. Et pourtant, ça fait un petit moment que j'avais vraiment envie de commander sur cette boutique. Alors, je n'ai pas fait faire personnaliser. Hein. J'ai pris une toile déjà préconçue. Hop. Donc, en toute logique, pour ceux qui me suivent sur le groupe, eh ben, vous avez dû voir passer l'image, hein, puisque je l'avais, quand je l'ai commandé, j'ai mis une photo sur le groupe. Donc je l'avais commandé en même temps que ma toile de la boutique Ready Lady. Donc, celle-ci, je l'avais reçue la semaine dernière ou en début de semaine, je ne sais plus. Donc c'est bien ça. Hop. On reconnaît bien donc l'emballage Evermoment. Donc la boîte en tube. Alors par contre, elle est cassée. J'ai le couvercle qui est cassé là. Donc on va voir, je pense pas que ça ait fait quelque chose. Mais voilà, on reconnaît bien hein, donc l'étoile Evermoment avec leur petit nœud violet. Et puis ben, quand on enlève le petit nœud violet, hop. Alors je vais. Hein, ils ont fait un nœud. Bien sûr. Le truc qui va bien me faire galérer. Hop. Ah oui, parce qu'il y a un petit bout de scotch en plus. Ah, sans petit bout de scotch, ça devrait être plus facile. On va la faire glisser. Désolée pour tous ces petits bruits. Voilà, donc dessous, on voit bien que c'est noté Evermoment. Donc, je regarde de plus près, puisque bah, c'est la première fois que je reçois une toile de chez ce vendeur. Et je suis bien contente. Donc, Diamond Painting, Evermoment. Alors, donc, ensuite... on va l'ouvrir. Alors, je ne sais pas. Normalement,
je pense que ça doit être de ce côté-là. Je vais prendre un ciseau pour... de ce côté. Alors en plus je suis bien contente aussi puisque j'ai aussi eu le plaisir de recevoir mon support tablette pour pouvoir filmer mes vidéos, donc en mettant ma tablette un petit peu surélevée. Donc du coup je suis assez contente. Bon, bien sûr il va falloir que j'arrive à trouver les cadrages parfaits, donc là c'est la première fois que je l'utilise, donc on verra bien. Alors déjà, donc on a du washi tape marqué Ever Moment, en plus d'une de mes couleurs préférées, donc en turquoise. Hop, donc un petit rouleau de washi tape. Ensuite, on a donc le toolkit. Hop. Donc, je suis trop contente puisque je vois une boîte en forme de macaron. Et j'avoue que cette boîte, je l'ai vue passer sur AliExpress. Et franchement, j'aime bien. Je l'adore. Donc, voilà, une petite boîte en forme de macaron. Hop. Et à l'intérieur, donc, on a les pains de colle. Alors, je ne l'ai pas ouvert dans le bon sens, bien sûr. Ma blondeur refait surface, comme d'habitude. Et à l'intérieur, on a quatre petits pains de colle carrés. Hop. Donc, je ne les utilise pas forcément, mais ce n'est pas grave. En tout cas, j'adore la boîte. Donc, une petite boîte macaron. Un stylet, donc... un stylet basique, hein, tout simplement, avec une petite mousse violette. Hop. Ensuite, on a une pince, et j'adore ces pinces. Donc, en plus, noté Ever Moment. Et franchement, c'est vraiment les pinces que je préfère, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Hein. Donc, bien pointues pour pouvoir bien attraper les diamants. Voilà, bien solide, elle est pas trop dure, franchement, je vais peut-être tester de faire la toile à la pince, on verra bien. En tout cas, je suis ravie, j'adore ces pinces-là. Ensuite, on a, hop, un multiplacer, donc je les utilise pas forcément, hein. J'ai testé, je pense, comme un peu toutes, vous l'avez fait, hop. Et une barquette basique, hein, donc je n'utiliserai pas puisque, comme vous le savez, j'ai ma coupelle personnalisée. Et on a à l'effigie Ever Moment un sachet zip, et à l'intérieur on a plein de petits sachets zip. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de bande blanche, donc... qui va être idéal, je pense, pour noter les numéros DMC. Donc, nickel. Donc, en tout cas, tout le kit complet. Ça change du tout le kit que vous avez pu voir dans mon dernier unboxing, donc qui venait de la boutique L'Éternel. Franchement, les toolkits super déçus, quoi. Je vais juste vous remonter un petit peu parce que j'ai l'impression de vous perdre un petit peu. Voilà, et j'aimerais bien que vous voyez bien la toile. Voilà, ça m'a l'air d'être mieux. Désolée, hein, faut le temps que je m'habitue. Alors, donc, on va peut-être voilà sortir les diamants. Alors, comment ça se présente ? Hop. Voilà, donc on a deux sachets de diamants, donc Ever Moment 1 sur 2, Ever Moment 2 sur 2. Oh, en plus c'est des sachets zip, donc des sachets zip, le grand sachet, c'est un sachet zip, et à l'intérieur donc vous avez les sachets de diamants, qui eux sont des sachets en chapelet, hein. Sachets
Oui, sachet. Chapelet. Comme bah, par exemple Home Fun. Hein. Donc j'ai l'habitude. Donc les diamants ont l'air d'être bien taillés. Donc ça, il me semble que c'est une des particularités d'Evermoment. Normalement, la qualité est au rendez-vous. Et franchement, bah, pour mes restants de diamants après la toile, s'il en reste, bah, les sachets zip comme ça pour les remettre dedans, franchement, génial. Donc pour le moment, je suis vraiment agréablement surprise. C'est top. Hop. Alors, donc deux sachets de diamants. Hop. Et donc, nous avons la feuille de route, alors avec un petit message derrière, donc dans un sachet, dans un petit, enfin plastifié, et dedans, donc, il y a l'air d'avoir la feuille de route. Hop. Alors, donc déjà, nous avons... Hop, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en français? Non, on a de l'anglais et de l'allemand. Et comme je suis aussi nulle en anglais qu'en allemand, voilà, mais en tout cas, bah, c'est le descriptif du kit, hein, tout simplement. Voilà. Et nous avons la feuille de route. Donc cette toile comporte 32 couleurs. Donc bien sûr, j'ai commandé une toile en diamant carré. Et c'est cette image que je trouve splendide. Donc au niveau de la taille de la toile... j'ai pris, donc, si je ne dis pas de bêtises, une 50x70, je pense que c'est ce qui correspond là, 50x70, en tout cas, feuille de route, ça, vous commencez à me connaître, j'adore. Donc, on a bien les numéros des DMC qui sont ici. Alors, par contre, on a le nombre de diamants... que normalement il nous faut sur la toile, mais par contre on n'a pas le nombre de sachets. Donc bon, après à comptabiliser, hein, si c'est quand même fun que c'est des sachets de 200 ou de 500, ça devrait être facile à comptabiliser quand même. Mais voilà, donc feuille de route, ça je suis ravie de pouvoir vérifier mes diamants. Et mes DMC, donc ça c'est top. Et puis bah, l'image bien sûr hein, sur cette feuille de route. Donc vraiment très contente. Hop, donc pour le moment, je suis largement satisfaite du toolkit, de la présentation des diamants, de la présence de la feuille de route. Franchement, top. Alors, la toile, ah, donc la toile avec bien sûr les bords de la toile ciselés. Hop. Et donc avec du papier blanc glacé. Donc je ne vais pas la déplier immédiatement. Puisque, ben, un peu comme tout le monde maintenant, je l'espère, parce que ben, on fait pas mal passer l'info. Mais si vous ne faites pas votre toile tout de suite, ben, évitez de la déplier et de l'étaler, de la mettre à plat. Parce que ben, sinon, après, vous ne pouvez plus la replier, sinon vous allez prendre le risque de faire des rivières. En tout cas... je pense qu'au niveau taille, je ne devrais pas être déçue. Vous avez dû voir passer, il y a Mélanie Gomez qui est en train de la faire en ce moment. Donc exactement le même dessin, mais d'une taille plus petite. Donc je pense que cette taille-là devrait quand même relativement être bien.
En tout cas, de ce que je vois de la toile là, même sans la déplier, franchement, elle a l'air d'être nickel. Il y a aucun pli sur la toile. Enfin, franchement, après ça, c'est des emballages, hein, les rouleaux comme ça en carton, forcément, ça protège beaucoup mieux que les cartons souples. Donc, il y a quand même beaucoup moins de risques que votre toile soit abîmée quand ça arrive dans les rouleaux comme ça. Hein. En tout cas, bah, franchement, je suis vraiment ravie de mon achat. Donc, à voir maintenant au niveau des diamants. Voir s'ils sont bien taillés, de la pose, mais en tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir enfin pu m'en commander une pour pouvoir tester, parce que franchement, voilà, j'ai vu beaucoup de bons retours. Je sais même pas si j'ai vu un avis négatif une fois, donc après je peux me tromper, hein, on verra bien. Mais il me semble pas. Il me semble quand même que j'ai relativement vu des avis positifs sur ce vendeur. Donc franchement, je pense que je ne devrais pas être déçue. Et puis c'est vraiment une image qui me plaît énormément. Hein. Là aussi, vous commencez à me connaître. Hein. Les Santa Muerte, franchement, je kiffe. J'adore. Et là, bah, dans les tons comme ça, turquoise, bleu... elle est juste magnifique, quoi. Je suis vraiment super pressée de la faire. Donc, voilà, pour moi, un seul point négatif, mais vraiment un seul, c'est qu'il n'y ait pas le nombre de sachets, en fait. Voilà. Parce que du coup, pour contrôler, ben, c'est moins évident. Après, ben voilà, je vais regarder au niveau des sachets. Hein. Je vais regarder vite fait avec vous, ça va, la vidéo n'est pas trop longue. Mais si par exemple je prends une couleur, hop, essayez de ne pas déchirer le sachet, parce que franchement, j'aimerais bien regarder. Alors, si par exemple, voilà, si je prends la couleur 792, donc j'ai 3 sachets. Et 792, donc DMC 792 qui se trouve ici, on me dit que j'ai 1801 diamants normalement. Et ben, j'espère que c'est pas des sachets de 500, parce que si c'est des sachets de 500, ça veut dire que j'ai 5, 10, 15, 1500 diamants. Alors, est-ce qu'il y aurait au pire peut-être un autre sachet quelque part? Peut-être aussi, hein. Ou alors, sinon, ça veut dire que ce n'est pas des sachets de 500. Mais là, en ayant 3 sachets, vu qu'il me faut 1801 diamants, ça voudrait dire que bah, 3 x 6, 18, même s'il y a 600 diamants par sachet, il m'en manque encore un. Donc, je ne sais pas. Désolée pour le bip, c'est mon lave-vaisselle qui vient de finir de tourner. Donc à voir. À voir. Bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour celles qui ont déjà fait des toiles Evermoment. Si vous savez combien il y a de diamants dans les sachets pour que je puisse voir. Et puis, de toute façon, bah, moi, en parallèle... quand je vais vous quitter, je vais contrôler déjà tous les DMC et puis bah, je vais essayer de voir. Je vais essayer de comparer par rapport aux autres DMC, le nombre de sachets, tout ça, pour essayer de voir combien il y a de diamants et du coup voir s'il ne m'en manque pas. Voilà. Donc, en tout cas, pour le moment, comme je vous dis, mis à part le fait que à aucun endroit j'ai le nombre de sachets dont j'ai besoin pour effectuer la toile, et puis bah, du coup le nombre de diamants dans le sachet, du coup, bah, alors à moins que, après je vous dis, c'est la première fois que je fais ce vendeur, à moins qu'ils choisissent comment remplir leur sachet, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, hein, puisque là ils sont plus petits. Donc là, ça serait peut-être éventuellement des 200. Donc DMC 3807. 3807, il me faudrait 1426 diamants. Ouais, non, vous voyez, ça...
ça correspond pas trop. Ouais, à voir. Donc voilà, donc seul petit bémol pour le moment, c'est ça. C'est de pas savoir combien il y a de diamants dans les sachets et bah, du coup combien de sachets de chaque DMC j'aurais dû recevoir. C'est le seul bémol. Sinon, franchement, pour le reste, pour le moment, je suis ravie. La qualité de la toile, le toolkit, franchement, je crois que c'est le meilleur toolkit pour le moment que j'ai reçu. Donc, je ne vais pas me plaindre. Donc, voilà. Mais en tout cas, ouais, toolkit vraiment complet. Hein. Il y a vraiment tout. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour celles qui en ont déjà fait. Bah, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez au niveau des diamants. Alors, après, c'est pareil. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a le DMC. Puis, à chaque fois, il y a un petit chiffre. Alors, sur celui-là, vous voyez, j'ai des 8. Et sur celui-là, j'ai des 4. Alors, est-ce que ça correspond au nombre de sachets que normalement je dois avoir? Donc, est-ce que, par exemple, pour le 792, je devrais avoir 4 sachets? Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'aurais 200 sachets en plus si je retrouve un quatrième sachet avec les autres diamants. Et celui-là, ben, 3807, le petit 8, pourrait correspondre à 8 sachets. Ouais, à voir. Peut-être. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, c'est bizarre. Là, j'ai 5 sachets. Il y a marqué 6. Bien sûr, même problème que ces derniers jours. Mon iPad était encore plein. C'est dingue. Je fais à peine une vidéo. J'ai aucune photo dans mon stockage. Et ça me coupe. Donc, ouais. Donc, je vous disais, mais bon, en même temps, j'étais en pleine réflexion quand j'ai regardé où est-ce que ça avait coupé. Mais, ouais, du coup, je sais pas. Ça ne correspond pas. Donc, du coup, et ben, si certaines en ont déjà fait, si vous pouvez m'indiquer si vous avez compris, ou sinon, bah, tant pis, je ferai mes petites recherches. Mais en tout cas, voilà, vraiment ravie de cet achat, de cette réception, de tout. Voilà, il y a uniquement, comme je vous l'ai dit déjà juste avant, le seul bémol pour moi, c'est de ne pas savoir combien de sachets ou combien de diamants il y a dans les sachets ou combien de sachets on a reçu pour chaque DMC. Voilà, mais vraiment uniquement ça. Donc, vraiment aucun problème. Si la qualité est là, franchement, je m'en moque de ne pas pouvoir vérifier le nombre de sachets, surtout si à la fin, en plus, il n'en manque pas. Donc, je vais quand même pas m'amuser à compter tous les sachets dans les diamants. Donc, on verra bien à ce niveau-là. Mais en tout cas, je suis plus que ravie. Donc, à voir maintenant quand je vais la faire pour voir si vraiment, vraiment, vraiment la qualité est au rendez-vous. Mais en tout cas, pour le moment, 100% de réussite, on va dire, allez, 99% pour le fait qu'il nous manque la description du nombre de sachets et du nombre de diamants par sachet. Mais sinon, franchement, nickel, nickel, nickel. J'adore l'image, enfin voilà, tout est top. Donc, avoir le rendu d'image sur la toile, la qualité des diamants, mais sinon, parfait. Voilà, donc c'est terminé pour ce nouvel unboxing et comme vous l'aurez compris, il y en aura d'autres à venir. Donc n'hésitez pas à continuer de me suivre, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si bien sûr vous en avez envie, rien n'est obligatoire, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, bah, peut-être que mes vidéos ne vous plaisent pas. Donc, dans ce cas-là, ne vous abonnez pas. Voilà. Donc, et bah, écoutez, je vais essayer de contrôler mes diamants. En tout cas, je vais au moins déjà contrôler tous mes DMC. Et puis, bah, une fois que j'aurai fini ça, je vais me remettre un petit peu au DP. Parce que j'avoue, hier, ne pas avoir eu le temps de poser un seul diamant.
Donc du coup, donc par contre, bah, j'ai terminé ma toile pour la collaboration avec Mumu et Chacha. Donc cette toile est terminée, vous la verrez dans ma vidéo numéro 4. Il me reste juste à regarder quelles questions je vais vous poser, donc les trois fameuses questions, et à faire le montage de ma vidéo, et je pourrai vous la poster. Donc du coup, comme cette toile est terminée, je vais me remettre sur ma toile partenariat avec Ibroderie Diamant, donc ma tête de lion, qui était quand même déjà bien avancée, donc je vais essayer de la terminer rapidement, pour bah, peut-être me remettre un petit peu quand même sur ma toile chaboté fait clochette qui est assez grande, donc j'aimerais bien quand même l'avancer un petit peu et puis ensuite bah, attaquer une nouvelle toile, mais je ne sais pas encore moi-même laquelle, donc à vous de le voir dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo. En tout cas, je suis en train de vous préparer une petite surprise exclusivement réservée à mes abonnés YouTube. Donc, vous l'aurez compris, un petit concours avec un petit cadeau à la clé. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos pour ne pas louper ce concours. Voilà, et bah écoutez, je vous fais des gros 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 bisous à tous et puis je vous souhaite une excellente fin de journée si vous regardez ma vidéo à l'instant T, sinon bah une bonne soirée, une bonne journée, voilà, ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Voilà, donc écoutez, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous!